Eh bien bonjour à tous, bienvenue bande de petites racailles, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Inazuma Eleven de Tempête de Feu. Voilà, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le jeu. Je tiens à dire que mon équipe a glow up de façon très énervée. On est niveau 60, voilà. Et du coup, aujourd'hui les gars, comme je vous l'avais promis, on va aller affronter l'équipe de Torche qu'on a vue. Alors, il faut aller à un endroit. En gros, ça nous dit qu'il faut, pour affronter, vous devez avoir battu les empereurs noirs et parler à un petit garçon devant le hangar. Alors, le hangar, je vous avoue que je n'en ai pas la moindre idée où il est. Ouais, non, mais je le dis, frérot. Je pense que c'est à Inazuma. Inazuma, peut-être. Bah, voilà, quoi. C'est à Inazuma. Quartier résidentiel. Je pense savoir où c'est. Non, pas quartier résidentiel. Je me demande, c'est pas le hangar qui nous baragouine là dans Inazuma Eleven 1 où on a cassé la gueule à Inazuma le tout premier. J'espère que c'est là parce que sinon, je vous avoue que je ne sais absolument pas où c'est. Non, mais je dis les choses. On dit les termes. Eh bien, c'est ta mère, toi. Fumier. Allez, frère, j'ai pas le temps de vous affronter. Moi, je veux affronter. Je vais affronter Prominence, le nom de l'équipe. Pas fou, pas fou. Non, en vrai, ça va, c'est léger. Je sais pas si c'est vraiment si beau que ça. Écoutez, on s'en bat les couilles. Nous, on va les casser la gueule au naze. Alors, il faut parler à lui, non? Ah, je fais souvent le même cauchemar ces derniers temps. Je marche sur un chemin et tout autour de moi, je peux voir une forêt géante. Quand tout à un coup, un incendie détruit tout sur son passage. Le feu s'étend et finit par envelopper la planète entière. Ah, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Une immense forêt, c'est curieux. Ça me rappelle un endroit où nous sommes déjà allés. Que tu trouves, mon gars? Et du coup, voilà, maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on aille à la forêt Fuji. Voilà, et puis normalement, il est censé avoir une racaille qui traîne. Et je vous attendais, joueur de Rayman. Oh, mais c'est Torche de l'Académie Alius. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons détruit votre quartier général pourtant. Oh, je sais bien. Et vous n'y êtes pas allé de main morte. Par votre faute, nous n'avons nulle part où aller. Mais ça n'a plus d'importance. Joueur de Rayman, je vous défie dans un match contre mon équipe Prominence. Quoi? Nous nous sommes entraînés sans relâche depuis que Xené et Gaïa ont pris le titre de Genesis. Nous sommes plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. Nous allons vous vaincre et nous assurer que vous ne vous relèverez pas. Nous nous montrerons comme nous sommes, dignes du titre de Genesis. Retrouvez-nous dans la forêt quand vous serez prêt. Nous vous attendons, joueur de Rayman. Vous ferez mieux de ne pas fuir. Touille ! Ah, il a fait faire le chat, le connard. Tu es une racaille. Allez, on y va. Oh non ! Qu'est-ce que je déteste les ça là. C'est horrible. Bâtard. Et niquez-vous là. Je me suis fait bien fait pranker. Hein. Bon, au moins, on a super chance. Super. Super chance, ça veut dire que c'est bon là, ils arrêtent de me casser les couilles. Ah bah non, hein. J'ai pas tant de chance que ça du coup. Hein. Je rigole. Ah, forêt perdue, ça je peux te le confirmer que c'est une forêt bien perdue, bien chiante. Hein. Oh mais laissez-moi tranquille! Je veux plus, moi, j'en ai ras-le-bol. Allez hop, on va en haut. Oh frérot, on va en haut. Ok, ça nous met là, on descend. Laissez-moi, bande de rapaces. Oh là 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 là, frérot, je comprends pas ce que je fais. Mais je suis où là? Mais laissez-moi, putain, j'en peux plus, frère! C'est des malades! Attendez, faut pas des... Il n'y a plus de coffre.
Frérot, il peut pas avoir un item là pour bloquer ces merdes là. Je n'en peux plus. Hop. C'est déjà assez compliqué comme ça, frère. Ah mais je vais tout casser. Ah c'est là. C'est sûr là on y est là. Je pense que là on y est. Putain je perds tous mes points. Oh non on y est pas. Ah mes frères non mais attendez mais ça a abusé wesh. Niquez vos grand-mères les putes. Hop. Flèche ouragan. Ah, on y est enfin. Let's go. Même avec la super speed, frérot, ça m'a pris une plombe. Oh, très bon. Vous en avez mis du temps pour arriver ici. Je me demandais si vous n'y étiez pas arrivé quelque chose. Qui d'autre que vous pourrait apaiser la colère ardente qui me consume? Préparez-vous à la bataille finale. Yo, mon gars. Eh bonjour les enfants, venez admirer ma dernière invention. Elle fonctionne remarquablement bien. Cette découverte va me faire passer à la prochaine. Grâce à elle, vous allez devoir pouvoir sortir de la forêt en un clin d'œil. Ah, si vous voulez sortir, dites-le moi. Non. Ouais bah merci mon ref. Hop, on va te pirave le coffre derrière toi mon gars. Pour un pendentif en puissance. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, attendez. Équipement. Formation. Vas-y, on va remettre Marc. Hein, dégage d'arène. Hein. Vas-y, on va mettre. Tu sais quoi, on va mettre lui. Dvalin. On l'a pas vu beaucoup jouer. Ils sont bien en. Il est tout pourri en pété, ce fils de putain. Inventaire. Équipement. Voilà. 15. Sa mère la pute. 4. Mais attendez, Sean, il est pas plus puissant normalement? Aptitude max, ouais. Non, non, il est 82. Mais bon, ref. 15. Ça lui fait 17. Non mais attendez mais il devient surpuissant là la vitesse. Mais attendez. Mais il est surpuissant mon putain de truc là. Il y a des dingueries hein. Endurance. L'endurance on va mettre ça plutôt à. Mais en vrai y a personne qui a besoin de réellement de l'endurance. Tiens toi toi vraiment parce que t'es pas fou en endurance. Enfin, pas fou. Façon de parler. Hop. Crampon marin. Ah, oh, bah vas-y, j'ai la flemme de faire tout le reste. Hop. Voilà, on va taper la sauvegarde. On va faire ça et ça. Et ça y part. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Nous allons vous réduire ensemble, équipe de Raymond. Ah, je peux ressentir sa puissance, c'est impressionnant. Ça va être un plaisir de vous montrer que vous ne faites pas le poids. Je vous attends, joueur de Rayman. Faut savoir que cette équipe, je crois que quand j'étais petit, j'ai jamais réellement réussi à la battre. Ou si, j'ai dû la battre, mais c'était compliqué. Bon, j'ai une équipe level 60 environ. Ils sont level combien, eux, que je regarde juste? Je crois qu'ils sont level 70. 50! Mais je vais leur péter le cul! Je vais leur péter le cul, frérot. Je suis bien. Ah mais c'est bon, j'ai win. J'ai win, frère. Si j'arrive à perdre. Baiser ma grosse mère. Hein. Mais baise-lui sa mère, celui-ci. Ah ouais, tac l'incendiaire, carrément. Je suis une racaille. Oui.
Ton tac l'incendiaire contre... Ah bah non. Bah oui, tu peux pas faire tac l'incendiaire là. Eh ouais, gros con. On va voir de qui... Entre qui et qui, le feu c'est le plus puissant. Eh bah non, je vais faire un trampoline du tonnerre. Avec son carbonisation, je m'en rappelle de sa technique, frère. C'est une infamie, carbonisation, les gars. C'est une infamie. Il va l'utiliser, là. Même pas. Grenil ! Moi, j'avoue, les gars, je suis dégoûté parce que... Je suis trop fort pour lui. Je me rappelle très bien de ces carbonisations. Comment ça me péter les couilles. Avec gros con. Et merde. Oh, Axel contre Torche. Qui du feu contre le feu va gagner. Enfin, feu. Façon de parler. Eh bah, c'est moi, grosse merde. Allez, baisse ton cul. Ah ouais, tu veux qu'on se tabasse toi aussi, mon gars. Y'a pas de souce. Axel est trop puissant. Et merde. Oh bah. Allez hop. J'ai envie de le tenter pour flex. Je vais faire un blizzard éternel. Touille, touille, touille. Avec son tir, mon gars, il a 99 de puissance presque. C'est monstrueux, mais Ah, regardez-moi cette technique de merde. Eh oui, gros con. Je la déteste, cette technique, comment elle est trop puissante normalement, mais... Eh bon, je suis trop fort pour vous, les gars. Ah, ouais, ouais, ouais. Vas-y, on va la prendre en contact. Voilà, venez à deux contre moi, comme ça je suis un petit ballon illusoire. Et il me baise. Il baise ma grosse mère. Ah non, en fait, eux je les ai peut-être baisés. C'est peut-être. Il y a un moment, il me semble que tu peux affronter une team qui est surpuissante. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont vraiment compliqués à battre parce que là, je vous avoue qu'ils sont plutôt simples. Je me rappelais pas qu'ils étaient si simples. A mon avis, pour finir le jeu à 100%, j'avais dû faire un truc où par contre là, ils étaient vraiment trop forts. Genre, peut-être là, quand je vais les vaincre, quand je vais vouloir faire le match pour avoir le coffre à fond, là, ça va être compliqué. Je pense que c'est ça. Vas-y, je fais un petit dribble normal, hein. Tac l'incendiaire. Oups, voilà, je suis décédé. Ou peut-être c'est l'équipe quand ils font un mélange des deux. Peut-être. Allez. Ah l'enculé. Vas-y, je tente une esquive, de toute façon je m'en bats les couilles. Utilisez tous vos pétés, de toute façon là pour le moment je gagne 2-0. Pff, je m'en fous. Je vous avoue que... Ah ouais, vous utilisez ça. De toute façon, là, c'est la fin du match, mon gars. Enfin, c'est la mi-temps. Ah, tout baigne. Ne prenez pas la grosse tête. C'est réel, ce qu'elle dit, mon petit gars. Et baisse-lui sa mère. Voile de feu. Blette. Vas-y, utilise ta technique, hein. Ah là, va juste me baiser ma mère, hein. Ah, sauf que là, elle a plus de technique, là. Bon, là, elle a plus de technique, par contre. Zéro de PT. Voilà. Ouais, baisse ta mère, hein. Oh là là. Loup légendaire. Ah
Poi poi. Carbonisation. Oh l'enculé, il l'a arrêté. Cette technique, elle est trop cheatée, frère. Non mais c'est réel ce que je vous dis. Eh ouais, gros con. Je suis tout cassé, frère. Le jeu, il est scripté contre moi. Eh, je me fais quand même péter le cul alors que j'ai littéralement 10 levels de plus qu'eux, frère. C'est terrifiant. Hein. C'est réellement terrifiant. Tu vas avancer, Dvalin, un peu. Je veux qu'il marque, Dvalin. Oh, il est trop nul. Le problème, c'est que j'aime bien un joueur qui est tout nul, quoi. Ah, baisse ton frère. Baisse ton frère, oh là. On va dans des trucs bizarres, là. Voilà. Et merde, là, il est hors jeu. Là, il est hors jeu. Bon, bah... Instant céleste. Et voilà. Il vous baise vos grosses mères, Aphrodite. Et il va marquer un but. Tir solaire. Vas-y mon gars. Arrête-le ça, hein. Carbonisation, je suis pas sûr que là ça marche mon ref. Hein. Le soleil contre du feu. Bien joué, Raymond. Il a peut-être un peu trop chaud le feu. Hein. Bon bah voilà, on a gagné. Et victoire fort du foot en beauté. Quoi, j'ai perdu? Ouais mon gars, t'as perdu, ouais. Non, je n'accepterai pas ça, c'est impossible! Torche, ça suffit! L'Académie Alus a été détruite. Le titre de Genesis a disparu avec elle. Tais-toi, tais-toi! Hmm? Alors vous pensez avoir gagné? Petit être pathétique! Je n'ai pas encore fini avec vous. Vous le regretterez d'avoir réveillé le volcan qui sommeillait en moi. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Je reviendrai. Vous ferez mieux de vous préparer. Nous allons devoir l'affronter à nouveau. Très bien, sortons d'ici. Comment ça, l'affronter à nouveau? J'ai peur de ne pas comprendre. Je me demande si s'il faut pas les affronter encore une fois en fait, c'est ça le problème. Alors excusez-moi, alors je suis en train de lire un petit truc en même temps. Alors Kao vous provoquera en duel sur le terrain de la Royal Academy au début. Mais malgré le regard d'un provenance d'Aimendus ne nous laisserait pas passer, surtout néanmoins. Ok. Mais la réelle question que je me pose, excusez-moi. C'est comment je leur casse la gueule maintenant? Genre là, il faut juste que j'attende qu'ils m'appellent. Bon, vous savez quoi? On va aller direct à la Royal Academy, on va voir. Yo les gars! Ouais, tais-toi, nul.
Non, bah je peux rien faire. Bon. Bon bah pourquoi pas. Écoutez, je peux pas les choper dans ma team. Et dis-moi que je peux choper ce petit BG de torche. Je suis très heureux de voir ça, les gars. Je suis très heureux. Non, mais vous voyez ça, la prominence? Est-ce qu'on irait pas le choper, là? Juste torche, et après, moi, hors caméra, j'irai me taper tout le monde. Je vais faire ça. Et je vais faire ça, les gars. J'allais me le tabasser hors caméra, lui, maintenant. Le torche sera à la recherche de l'attaquant de feu. Ok, bon, il est à Okinawa. Et du coup, je viens de regarder, les gars, pour KO. En gros, bah, ça va pas être possible. Voilà, donc je vous le dis, ça va pas être possible. Malheureusement, on pourra pas les affronter, les deux. C'est très dommage. Parce qu'il faut relier les deux jeux. Malheureusement, un peu spécial, vu que je suis sur émulateur. Voilà. Alors, il se trouve où cette espèce de racaille de torche? Le problème, c'est que je crois qu'il est extrêmement level. Ok. Alors, normalement, c'est lui près de l'éclair. Du tout? Ah, peut-être à l'intérieur? Là? Peut-être en haut? Petite racaille là, regardez-moi ça! Bon! Salut, je vous attendais, joueur de Rayman. Il paraît que vous aviez recruté un attaquant de feu. Je voulais voir à quel point il était bon. Moi ou l'attaquant de feu, on va voir qui s'enflamme le plus vite. Allez, c'est parti! Je crois qu'ils sont beaucoup trop au level pour moi, ça me terrifie par contre. Et toi, tu vas bien? 3 buts d'écart, frère, comment tu veux que je marque 3 buts d'écart? C'est réel ce que je vous demande. Triangle de la mort 2. Ah mais merde, c'est le bois contre le feu. Mais bien sûr qu'il va l'arrêter, Easy. Bon, je crois que j'ai déjà déconné, hein. C'est les premières secondes. Ah, oh, ça va être une infamie à l'avoir dans la team. Je le sens, je le sens. Je pleure. Je pleure du sang, les gars. Je pleure du sang. Comment cela se fait-ce? Là, si tu me dis qu'il l'arrête du poing... Je parie que mon point de la justice ne va pas l'arrêter. Je ferai mieux la prochaine fois. Bon bah les gars, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais farmer hors caméra et je vais le capturer cet enculé. Et je ferai voilà un dernier épisode où je vous montrerai tous les joueurs que j'ai recrutés entre temps. Et je ferai des matchs pour vous les montrer. Bref. Sur ce, les gars, moi, je vais m'en aller parce que... Chiou, j'ai bobo, là. Allez, ciao, bye. Bizarre, le cul, hein.